You know, I'm beginning to see the way the Lord prepares people for ministry. La manière dont Dieu prépare les gens pour le ministère is no different from how companies manufacture products. N'est pas différent de la manière dont les entreprises fabriquent les produits. It's the same process. C'est le même processus. Every manufacturer, tous fabricants, always start with raw materials. Commence toujours par la matière première. Everybody say raw materials. Que quelqu'un dise la matière première. Everybody say raw materials. Dis matière première. We come to this world as raw materials. Nous sommes venus dans ce monde comme de la matière première. But every raw material must be processed. Mais chaque matière première doit passer par un processus de transformation. And there are usually three stages of processing. Il y a souvent trois étapes de processus de transformation. The first stage, la première étape, I call it product formulation. Je l'appelle la formulation du produit. What do you want to put into the product? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans le produit? How do you want to mix the ingredients? Comment voulez-vous mélanger les ingrédients? But you will not know what to put in the product until you know what the product is designed to do. Vous ne saurez comment faire le produit à moins que vous ne sachiez ce pourquoi le produit sera fabriqué. So, the same way in developing people and preparing them for the work of ministry, et de la même manière que Dieu prépare pour le ministère, you must have a good idea what they are supposed to do when you finish producing them. Et vous devez savoir ce à quoi ils vont servir après leur formation. If you make a mistake at the product formulation stage, alors si vous faites l'erreur depuis l'étape de formulation du produit, you will produce a product that's ineffective. Vous allez fabriquer un produit qui ne sera pas efficace. Not adequate for what it is intended. Un produit qui ne sera pas adéquat à ce pourquoi vous l'avez créé ou bien vous l'avez fabriqué. And that would be an error. Et ça serait une erreur. Now, after a product has been formulated, donc après l'étape de formulation du produit, and then manufactured, et maintenant la fabrication, there's yet another stage. Il y a aussi une autre étape. I call it the packaging stage. Je l'appelle l'étape de l'emballage. Even though I have designed something that is effective, même si j'ai déjà décrit quelque chose qui est efficace, how do I package it? Comment vais-je l'emballer? So that the intended users can accept it. Afin que l'utilisateur puisse accepter le produit à la fin. Because some people can reject things that are good. Parce que certaines personnes peuvent même rejeter le produit bien que le produit soit bien. Just because it's not packaged well. Juste parce que c'est pas bien emballé. Others have also purchased things that are bad just because it's packaged well. Et d'autres aussi achètent des produits qui ne sont pas bien juste parce que l'emballage est bon. So to prepare you for ministry, not only must you be formulated well in terms of inner content, but you must also be packaged with the place of placement in, you know, in mind. Otherwise, the very people you sent can reject you. Donc, le fait de vous fabriquer comme un bon ministre pour Dieu n'est pas seulement de vous former pour l'intérieur, mais aussi de vous amener au point où vous allez rencontrer le besoin des autres afin que ceux-là puissent vous accepter et que vous soyez efficace. And even when we finish training you and packaging you, et même après que nous vous aurions formé et emballé, we still have to design a system for your distribution. Nous avons toujours besoin de modeler un système de distribution. And even when we distribute you, et même après la distribution, we still have to define a system. Nous devons toujours définir un système to make sure you are relevant locally. Pour vous assurer de votre pertinence sur le plan local.
So preparing people for ministry, alors préparer les gens pour le ministère, is more than training. C'est au-delà de la formation.